Waouh, Sanji call équipe. Wow, la dinguerie. Yo les gars, yo tout le monde, c'est Frizou. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un concept assez spécial, voilà. Un concept avec vous. J'ai demandé en fait sur Instagram, donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, allez me suivre, frizou.ytb. C'est là où tout se passe. J'ai envoyé en story un formulaire. Un formulaire où vous pouviez répondre, voilà. Il y avait des questions assez cocasses, on va pas se le cacher. Comme ce genre de questions: qui selon toi se lave moins les mains après être passé aux toilettes? En mode, qui est le plus crado? On va donc voir ce que vous avez répondu aujourd'hui en vidéo. Donc voilà les gars, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller sur Insta ou même sur Discord. Non, en vrai les gars, je sais pas si vous avez remarqué, je me suis créé un nouveau compte TikTok. Donc voilà, allez le follow, frizou.ytb comme sur Insta. J'ai déjà 1830 abos sur le compte, donc les gars, allez follow. On va bientôt dépasser YouTube sur TikTok, c'est une dinguerie les gars, c'est un truc de ouf. Les gars aussi, on est bientôt aux 2000 abos. Et aux 2000 abos les gars, je prépare quoi? J'annonce officiellement, je vais faire un clip, un nouveau clip, mais genre incroyable. Inquiétez pas, là je le prépare, il est déjà en préparation. Donc frérot, tu mets la cloche, tu t'abonnes si t'es nouveau. Et voilà. Hop, les gars, changement de plan. Les gars, la vidéo que vous êtes en train de voir a été tournée il y a 2 semaines. Et en 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, j'ai eu les 2000 abonnés. Donc les gars, merci à tous. Comme vous avez vu, je prépare un clip pour les 2000 abonnés. Donc préparez vos vidéos réactions. Le clip va être incroyable. Faire le mixage avec Wisco. Je vais tourner avec mes frérots du lycée. Et les gars, aussi, je voudrais dire merci à Kaboom pour la miniature de cette vidéo. Bon les gars, assez parlé, je vous remets dans la vidéo. Allez, parti pour le conseil de la vidéo. Jingle. Les gars, salut à toi, je transmets ce formulaire pour une vidéo YouTube avec vous. Le but sera de répondre de façon honnête aux différentes questions qui vous sont posées. Les gars, j'ai hâte de voir toutes vos réponses maintenant. Donc allez, c'est parti, on va cliquer sur réponse. Donc il y en a 74, donc merci les gars. Il y a eu quand même 74 personnes qui ont répondu au questionnaire. Ton prénom, pseudo. Déjà, on peut voir toutes les personnes qui ont répondu. Tac, je mets tous les pseudos à l'écran comme ça, voilà, vous pouvez voir. Donc les gars, la première question, c'était ton prénom, ton pseudo, histoire de voir un peu qui vous étiez. Il y en a même qui ont répondu en anonyme, comme cette personne juste ici. Donc, première question, c'est comment tu m'as connu, déjà, voilà. Du coup, en allant sur Tinder, wesh, non, comment vous savez que je suis sur Tinder? Recommandation VV, oh là là, YouTube qui me... En recommandation, grâce au Roco YouTube, mon ref, Minecraft, tu coco, wesh. Attends, le bug, il m'a connu grâce aux recommandations YouTube sur Minecraft, mes vidéos tard à l'époque sur Minecraft, frère. T'es connu par hasard de mes suggestions, wesh, mais attends, YouTube me met trop en recommandation. Je me balade sur YouTube et je t'ai vu depuis, je pense à tes pieds. C'est trop bizarre. Dans mes recommandations YouTube, je regrette pas. Oh là là, oh c'est trop gentil. La famille Chukoko. Attends, comment ça? Genre, il y a ta daronne, elle est vers toi, elle dit hey, Frizou, c'est le meilleur YouTuber, tu peux aller le voir et s'abonner à ta chaîne. Merci à ta daronne. Ok les gars, je viens de regarder toutes les réponses. En fait, soit on m'a connu grâce aux recommandations YouTube, ou soit grâce à un autre YouTuber, et il y a une petite partie qui est grâce un peu à TikTok. Donc en vrai, les gars, c'est pas mal. Quand même, YouTube, ils m'ont bien mis en avant. Ok les gars, prochaine question, c'est parti. Sur une échelle de 1 à 10, à combien je suis putaclic? Définition. Donc j'ai quand même mis une définition parce que je sais qu'il y en a, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc, une vidéo dont le titre, l'image principale ou le résumé est exagéré délibérément afin d'attirer davantage de lecteurs ou de spectateurs. Donc en vrai les gars, moi je me placerai où? Je me placerai en vrai à 6 ou 7 en vrai, parce que je suis pas énormément putaclic les gars, non. Vas-y, je vais aller voir vos réponses maintenant. Oh, oh les gars, ok. Comme je l'avais dit, environ 6. Donc les gars, il y a 13 personnes, ils ont mis 6. Et il y en a, wesh, il y en a 6, ils ont mis 10. Attends mais, wesh, eh, bande de bâtards. En vrai, la majorité d'entre vous trouvent que je suis pas vraiment putaclic. Donc, eh, cœur sur vous. Par contre là, eh, ouais, allô la prod, toi les 6 qui ont répondu putaclic à 10. Ouais, bah eux là tu me les bannes, d'accord? Super. Oh merde, ça filmait. Donc c'était une question assez simple. On passe à la prochaine question. Si je devais me marier avec un de ses créateurs, lequel serait parfait pour finir ma vie selon toi? Du coup les gars, on avait le choix entre Rulio. Bon, j'ai mis quand même des photos assez dossier d'eux. Donc c'est un peu des potes de YouTube que je connais. Donc il y a Rulio, il y a Kossi, il y a Anders YTB et Tim. Putain, je suis un bâtard quand même sur les photos. Je suis désolé mon ref. It's Gabi. Waouh, oh la photo, putain, je vais oublier. Hugo. Oh la photo d'Hugo. En vrai les gars, moi je sais pas avec qui, mais puisque Kossi c'est la seule meuf et que j'aime bien les meufs. Non je déconne, et non c'est pour rigoler, c'est faux. En vrai les gars, je pense les gens ils vont plutôt mettre Kossi ou Anders, un truc dans le genre. Du coup on va voir vos réponses. Alors hop, en tout Anders YTV, wesh, ah oui d'accord. Et Kossi en deuxième, wesh. Et les gars, je suis trop fort, je suis en devin. Ok, après y'a qui? Y'a égalité entre Etim et It's Gabi, wesh, ok d'accord. Et Rulio 4,1%. Rulio, t'inquiète pas mon ref, on t'oublie pas. Oh putain le pauvre. Bon, les gars, je sais ce qu'on va faire dès maintenant. On va appeler Anders et lui dire que demain on va se marier frérot. Parti les gars, on appelle Anders YTB. Ou allô, mon gars?
Les gars, il m'a raccroché au nez, ce fils de chien. Bon, c'est bon, non, je me marie pas avec lui, on va se marier avec Cossy, hein. Prochaine question, les gars. Est-ce que si jamais il y aurait moyen de moyenner, on pourrait se marier tous les deux, là? Première réponse, oui, gros beau gosse à lunettes, on fait ça quand? Et deuxième réponse, non. Le petit point, il met une putain de clim. Du coup, ok, il y a 73% qui veulent me pécho. Mais en fait, les gars, vous voulez me pécho, c'est un truc de ouf. On fait ça quand? Wesh, 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 ok, on arrête ça. Alors les gars, pour la prochaine question, j'ai dû chercher une photo de moi musclé dans ma galerie. Donc voilà, j'ai retrouvé que cette photo, c'est trop relou. Bon, il y a pas assez de muscles, et puis il me fallait aussi une photo d'Anders, donc il m'a envoyé une photo de lui. Bon voilà, un peu fin frérot, petit gringalet, t'as capté. Du coup, ah oui, putain, j'ai oublié de dire la question. Selon toi, si je me bagarre contre ce mec, donc c'est Anders, je le fume ou bien? Donc première réponse, frisoule beau gosse, trop musclé, bah au boulot quoi là. Et après, Anders, le mec tout gringalet, en blanc, enfin ouais. Je pense qu'il y a au moins 90% qui votent pour moi. T'es mal ce corps d'athlète frère. Hop, on va aller voir vos réponses. Quoi? Ah quoi? Wesh, 51,4% pour Anders. Quoi? C'est pas possible. Et tous ceux qui ont voté les gars, je vous vois très bien, je vois vos pseudos sur le formulaire. Vous allez rien comprendre. Non attends, quoi, je suis choqué. Comment j'ai pas pu vous convaincre les gars avec une photo pareille? Comment vous pouvez voter pour un mec? Oui, putain, mais... Après bon, j'avoue c'était un peu serré. 38 personnes pour Anders et 36 personnes pour moi. Ah, c'était serré. Bon les gars, on va appeler Anders pour l'annoncer qui a gagné. Bon les gars, je vais lui faire croire au début que c'est moi qui ai gagné, mais après je vais lui avouer que c'est lui qui a vraiment gagné finalement. J'ai peur de sa réaction. Les gars, on va voir s'il va se vanter ou pas. Hop, on est sur la courbe avec Anders frérot. Tac, on l'appelle. Oh allô mon gars. Ça va gros? Ouais, mais dépêche-toi, lâche pas le temps. Ouais, en fait, là gros, je suis en vidéo. Ouais, et alors? Ok, ouais, et mon ref, tu sais que j'ai fait un formulaire il y a peu longtemps pour les, ouais, pour les abos. Et genre, tu sais, il y avait une question, la question c'était qui gagne le combat entre Anders et Frisou, tu vois? Bah, c'est moi quoi. Je suis pas sûr de ça, mon ref. Comment ça? Tu veux que je te dise les réponses? Attends, je veux te dire. Il y a eu le 100% de vote pour moi, genre. 100%? Et ouais, mon gars. Il y a combien de gens qui ont voté? T'inquiète. Vraiment, du coup. Beaucoup de personnes qui ont vraiment. Bah, il y a vraiment 100%. T'as un mot à dire, frérot? Eh ben, ils sont trop cons, en fait. Dame, je t'expose. Et pour voir, c'est qui a mis les votes? Ouais, on peut voir, gros. On peut voir. Tu me passes les adresses mail, s'il te plaît? Pourquoi mon ref, je vais faire quoi à mes abos là? Non, toi ferme ta gueule, t'as déjà énervé, passe-moi les adresses mail. Je te l'envoie après. Mais raccroché, mais attendez. Oh, ça me saoule, non. Attends, j'ai pas pu lui dire la vérité, du coup attendez, je le rappelle. Ouais gros, attends, mon ref, tu m'as raccroché au nez gros, putain. Ouais, j'ai fait exprès, t'es con quoi. Non, attends, Anders, hey, calme-toi par contre, tu te calmes. Attends, en fait il y a eu un petit problème, je viens d'actualiser la page. Et il y a pas 100% qui ont voté pour moi. C'est combien? Il y a 46% qui ont voté pour moi et pour toi genre t'as gagné genre. Ah, mais voilà, mais c'est mieux du coup. Non mais c'est bon. Ouais, j'ai cru pour la maman qu'ils allaient croire que toi t'allais pas genre MD. Genre toi là. Oh frère, oh. J'ai eu trop peur frère, j'ai cru que t'allais croire qu'un petit peu comme toi n'aime pas trop. Un faible? Quoi? Par contre c'était serré, c'était presque à 50%, donc fais pas le malin. Non. De toute façon, hey, les gars, on va voir IRL à la PGW, on va se battre avec Anders, il va rien comprendre. Ça doit être ça. Bah les gars, on se retrouve à la PGW et je vous attends, vous devez m'accueillir comme une star, encore plus de photos. Vas-y, ta gueule, il prend trop la grosse tête les gars, hop, tac, on raccroche au nez ce fils de chien. Ce mec il me casse les couilles pour les vues que je vais faire ça, hop. Je ferme le cam. Ok les gars, prochaine question assez facile. C'est qui ton youtubeur préféré entre ces créateurs là? Donc j'avais le choix entre Frisou, le plus beau gosse en fait. Voilà, c'est un peu la question la plus évidente. Voilà, c'est Frisou qu'il fallait voter. Après il y avait Michou, bon, Massu, alors ce mec. Inoxtag, alors lui mec il a aucune détermination, c'est abusé. Et Noix de Coco. Je pense qu'en vrai ça pouvait se jouer entre Frisou et Noix de Coco, tellement ils sont connus ces gens. Allez hop, on va voir les réponses. Ok, qui gagne? C'est Massu. Oh wesh, il y a 35% pour Massu. Quoi, il y a que 21% pour moi? Non les frères, quand même, ça joue entre Massu et Inoxtag. Il y a 29% pour Inox et 35% pour Massu. Donc Massu gagne ce combat. Cette question était assez facile. On passe à la prochaine question. Qui selon toi se lave moins les mains après être passé aux toilettes? En mode qui est le plus crado? Donc j'ai mis Hugo, Cossy par contre. Oh, photo que j'ai mis de Cossy, non. Oh putain la pauvre. Il y a Anders. Il y a photo, il est trop bégé, il est trop bégé sur cette photo. Il y a Noix de Coco, il y a Frisou et il y a Gabi. Voilà Gabi, ah, là qui crache de l'eau frérot. J'aurais voté pour Gabi, c'est le plus dégueulasse. Non par contre les gars, si vraiment il y en a un qui a voté pour moi, je vais le... Ok c'est parti, on va voir. Ok. Quoi? Mais prends des fils de chien. Mais non, mais c'est pas possible, mes frères, les gars, les... Oh, vous êtes des chiens. Putain, 29% pour moi. Putain.
Putain, je me fais pas respecter par ma propre commune, les gars. Mais sur 74 réponses, il y a 22 personnes, ils ont voté pour moi. Je reprends mes esprits. En deuxième position, c'est Gabi. Je pense que c'est à cause de la photo de Gabi, genre où il crache. Après, il y a Hugo.mp4 en troisième position. Alors les gars, on passe à la prochaine question, c'est: t'as déjà mis un pouce rouge à une de mes vidéos? Si oui, pourquoi frère? Donc j'ai demandé à te justifier si jamais t'as déjà mis. Du coup, on va voir vos réponses. Ok, pour l'instant, non, non jamais. Jamais de pouce rouge. Non mais oh, oh là là, pour l'instant les gars, y'a tout le monde qui met non. J'ai jamais mis de pouce rouge sur aucune des vidéos sur YouTube. Je viens de me rendre compte. Ça les gars, en vrai moi aussi les gars, je mets jamais de pouce rouge. Sauf si vraiment il y a un mec qui m'a saoulé de fou. Je me mets pas de pouce rouge. Encore moins sur tes vidéos qui sont tellement à un point de la perfection que la perfection elle-même ne peut rivaliser. Oh, oh incroyable. Oh merci. Merci frérot. Jamais, non, mais attends, oh, vous êtes trop gentil. Personne n'a jamais mis de pouce rouge. Et tout à l'heure, vous étiez des bâtards là, en mode Frisou et le plus crado. Mais là, 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 vous êtes des boss. Alors, les gars, prochaine question, c'est parti. Tu préfères une PS5 ou moi? J'ai très peur de ce que les abos vont répondre. Parce que s'ils répondent PS5, c'est-à-dire qu'ils préfèrent un objet à un humain. Réponse, c'est parti, on va aller voir. Tu préfères une PS5 ou moi? Mais frère, frère. En majorité, il y a 40 personnes, ils ont voté pour une PS5 plutôt que moi. Non, les frères, les frères. Ouais, les gars, de toute façon, j'ai vos prénoms à tous ceux qui ont marqué PS5. Vous êtes des malades. J'en ai marre, les gars, je me fais pas respecter. Putain, c'est pas possible, les frères. Non, mais les gars, je comprends pas. Il y a quand même 45,9% qui ont voté. Incroyable, là. Et vous faites des cœurs. Prochaine question. Si je serais un youtubeur, je serais lequel? En mode, je ressemble à quel youtubeur? Ah, ok. On va voir à quel youtubeur je ressemble d'après les abonnés. Théodore. Alors, bon. Comment ça, je ressemble à Théodore, frérot? On voit même pas mes vaches. Après, peut-être le style, ouais, peut-être le style de vidéo. Un peu de quoi? Nanas, mais. Les frères Tran. Michou PTDR. Ah ouais, un peu. Ouais, en vrai, peut-être un petit peu le style de vidéo. Kenny pour ton corps fébrile. Oh le bâtard. Mais c'est énorme. Vous êtes des malades. Zafil. Oh Zafil. Non, ça fait plaisir. Je m'inspire aussi beaucoup de lui parce que c'est trop fort. Je dirais Mastu. En vrai, ouais. En vrai, Mastu, ouais. Aussi. J'adore les vidéos de Mastu. Bah justement, là, cette vidéo, elle est inspirée de Mastu. Donc. Tu ressembles à aucun youtubeur. Tu as ta personnalité à toi, frérot. GG. Oh là là. Je viens de voir la réponse juste en dessous. Miyak. Allez, hop. Norman. Non, les gars, c'est grave. Vous êtes grave. Je dirais Inoxtag, mais il faut juste qu'on te rajoute les biceps. Arrêtez les frères, j'en ai. Oh merde, on voit pas, non. Regardez-moi ça les frères, ça y est, y'en a. Juste que vous voyez pas parce que je suis en sweat tout le temps, je peux pas vous montrer. Ça y est là, tout le temps à me tailler, c'est pas possible. Valérie D'Amido, je te jure, y'a un air de ressemblance. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte frère? Mais c'est un malade lui, mais t'as. Bon les gars, on passe à la prochaine question, c'est parti. Qu'est-ce que je dois changer en général, que ce soit YouTube ou quelque chose d'autre? Et voilà, c'est genre pour m'améliorer, t'as capté. Fais plus de vidéos. Ouais bah en fait le truc c'est difficile de faire beaucoup de vidéos et qualitatives en même temps. Je veux m'amuser déjà dans la vidéo, je veux qu'elle me plaise et je veux qu'elle vous plaise. Donc c'est déjà trois gros critères à faire et qu'il n'y a pas forcément à chaque tournage. Plus de feats. Ok, plus de feats. Les gars, à partir de maintenant je vais faire plus de feats. Voilà, grâce à toi frère. T'es d'accord? Parce que là c'est le bordel. Regardez là normalement il y avait une fresque et tout, genre Star Wars, regardez où il est. Regardez où il est passé. Le frérot il est tombé. J'ai trop le seum. Du coup je refasse aussi les gars mon décor. Ton bonnet et tes lunettes. Mec, je veux voir à quoi tu ressembles. Si un jour je perce, et quand je dis je perce, c'est genre avoir une vraie commu, un truc de ouf, j'enlèverai tout. Enfin tout, juste le bonnet et lunettes les frères. Allez, ça y est. Tu devrais te marier avec moi, ça va tout changer. Je pense qu'on va faire ça frérot. La qualité de ta cam. Mais comment ça frère? Regardez ma qualité il y a un an versus ma qualité de maintenant. Rien, t'es parfait, continue comme ça, let's go. Ton nombre de vues. Je sais pas comment le prendre. De toute façon les gars, on fait pas ça pour les vues, on fait pas ça pour les stats. T'aimes les nazes, wesh. Ok les frérots, on passe à une question assez drôle. À qui confierais-tu ton gosse le temps d'une soirée? En mode le babysitter, tu captes ou bien? Donc en premier, il y a le choix entre Frisou, Hugo.mp4, Noah de Coco, Anders YTV, putain la photo. Et Rulio. Rulio, moi en vrai, je pense que j'aurais choisi Rulio. Parce que Hugo frérot, Hugo il est déjà écrit sur son petit frère toute la journée. Noah de Coco, il va se mettre à Walp avec lui. Vaut mieux pas. Anders. En vrai, Anders, avec Anders, je pense qu'il va trop rigoler. Non, ça va être trop. Et avec Rulio, je pense qu'il va être bien posé. En vrai, Rulio, ça pourrait être un bon daron, tu vois. Ok, on regarde les réponses. C'est parti. 3, 2, 1. Alors, oh, je gagne. Quoi?
Donc il y a 32,4% qui voudraient confier mon gosse le temps d'une soirée. Oh là là. En vrai, attendez, je suis choqué. Comment ça? Je pense que c'est possible. Même si je me serais pas mis en première position. Rulio, voilà. Rulio, quand même, il a 24,3%. Voilà. Après, on a Anders, voilà. Avec Anders, ah putain, mais je le savais. Une noix de coco avec 12,2%. Prochaine question. C'est parti. Alors les gars, la prochaine question, c'est ton rappeur préféré entre ces 4 personnes. Alors, je vous rappelle, il y a Arthur IGB, Coma, Clip Officiel. Je le mets pas parce que je vais me faire copyright, frère. Après, il y a Frizou, 1K Clip Officiel. Le clip éclaté là, qui va être bientôt remplacé par mon clip de K, frérot. Il y a It's Gabi à l'envers, clip officiel. Et Anders YTB, Théo Love, clip officiel. Bon, j'ai mis un peu des petits youtubeurs qui ont fait. On va voir ce que vous avez choisi. Oh, quoi? Non, c'est vrai. Donc, en première position, c'est mon clip. Alors, déjà, les gars, je vous dis, il est gaze. Enfin, même moi, j'aurais préféré celui d'Arthur ou celui d'Anders. Mais là, le mien, non, vous mentez. Vous êtes des mythos. En seconde position, on a Anders, YTV, Théo Love, clip officiel. Moi, j'aurais vraiment voté Théo Love en premier. Anders, les gars, il est trop chaud, ce mec. On passe. Avant, dernière question, c'est qu'est-ce que t'en penses de moi, en général? Du coup, on va voir vos réponses. T'es beau gosse quand même. Frérot, je te soulève, mais... Vous êtes trop bizarre. Insta, oui. Je vais pas faire une normale, là. Attends, c'est quoi son Insta, là? Ok, attends. Ok, c'est bon, je vais prendre son Insta, je pars. 54, avec un cœur, oui. Ouais, oh, la dinguerie. Ok, les gars, j'ai son Insta. Let's go. Okay, j'ai réussi à me récupérer un petit instant en vidéo. Ah, c'est bénef. Tu es assez mystérieux avec tes lunettes, il faudra en savoir plus. Moi, je pense que tu pourras en savoir plus, là. Alors Frizou, t'es un mec trop sympa, je suis trop content de t'avoir connu déjà, tu t'es amélioré fort en vidéo, juste pour son incroyable, juste abandonne jamais, parce qu'un jour tu deviendras le meilleur. J'attends de toi à ce que tu crées ton concept, après tu peux continuer ce que tu fais, c'est pas moi qui va t'interdire de faire des vidéos, surtout que je kiffe tes vidéos, continue et ne lâche rien. On va passer à la dernière question les gars, c'est un message à passer en vidéo. Je vais lire un peu vos messages que vous voulez passer en vidéo, et s'il y a des trucs assez drôles ou assez cool, je le mets là directement maintenant. Abonnez-vous et likez la vidéo bande de BG, voilà, faites ce qu'il dit. Lâchez un gros pouce bleu, sinon je t'enfourne mon Mégatron. Wesh. Abonnez-vous sur Insta à Marwan. Eh, ça fait sa pub de partout. Abonnez-vous. En fait, les gars, pour résumer, tout le monde dit abonnez-vous, lâchez un like. Si vous ne savez pas vous habiller, abonnez-vous à Varel. Non, plus sérieusement, si vous avez des rêves et que vous êtes déter, rien ne peut vous arrêter. N'écoutez pas de personnes qui vous disent que c'est impossible. Impossible pour eux, oui. Et pour vous et vos rêves, non. Oh là là. Magnifique, Varel. Testez, faites des erreurs, remettez-vous en question et grandissez. C'était Varel. Ciao. Oh là là, wesh. Varel, elle est trop forte. Elle est chaude. Non, elle est forte. Oui, chaud. Ok, gars, je viens de terminer de regarder toutes les questions sur le questionnaire. C'était trop drôle à tourner. Je pense que je referai plus de conseils comme ça avec vous, les abonnés. Du coup, merci à tous ceux qui ont participé, les frérots. Vous êtes des boss. Voilà, 74 réponses, c'est énorme. Merci à tous, les gars. Go les 2K, comme vous savez. Moi, les gars, je vous dis ciao, les gars. Bye, peace. C'était Frizou. À la semaine prochaine.